Salut la famille, c'est le général Franco. Les vendeuses de rêves ont envahi le dehors. Et c'est comme ça que nos petites sœurs souffrent dans leurs bras. Il y a de cela quelques jours, j'ai découvert une nouvelle influenceuse. Elle a même beaucoup d'argent. On l'appelle croqueuse du diamant. Écoutez d'abord ce qu'elle va nous dire là. Ok. Ici la croqueuse du diamant. Passez mon message à vos soi-disant influenceuses. Vous vous dites être influenceuse, mais quand vos fans vous demandent de l'aide, vous êtes incapable de les aider. Tout ce que vous savez faire, c'est de vendre le rêve, de leur montrer que vous vivez la belle vie et tout. Par contre, moi, la croqueuse de diamant, oui, je vis la belle vie. Oui, j'ai de l'argent. Mais, je fais quoi avec? C'est ça la question. C'est vrai, tout le monde est libre. Je fais ce qu'il va avec son argent. Mais quand tu te dis déjà être influenceuse, ça veut dire que tu as l'influence sur beaucoup de jeunes. Donc, tu dois être un exemple. Avec cette influence, tu peux aider des personnes qui veulent se battre, des personnes qui veulent réaliser quelque chose, qui veulent faire quelque chose. Excusez-moi de rire. En fait, je ne la connaissais pas. Je viens de découvrir cette nouvelle influenceuse qu'on appelle Croqueuse du Diamant. C'est celle-là qui fait la une actuellement sur la toile. Elle a offert 1 million pour les obsèques de Madame Cooper. Donc, sans ignorer que Makoso, le général Makoso, avait proposé 500 000. Donc, elle est venue doubler. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est que et à Culture Urbaine 237 là, qui a fait un post en disant que cette nouvelle influenceuse s'est offert une Range Rover de 30 millions. Elle est venue mettre en bas, comme vous pouvez voir là, rectificatif. C'est 85 millions. Et elle dit dans sa vidéo que non, elle ne vend pas les rêves. Les femmes ont seulement beaucoup d'argent, mais on ne sait pas ce qu'elles font. Vous avez vu l'autre marché ici à Yaoundé, Niket, le 8 mars. Ça fait brrrr. Je suis resté tranquille, j'ai analysé moi seulement. Regardez ces images. C'est qui? La métisse qui marchait Niket là. Voilà. Même les métisses, maman. Même la vidéo. Elle a les mots fait salaud. Maman. Même la blanche. Esh, en plein 8 mars. Hey! Pause publicitaire. Eh bien, pour tous ceux-là qui veulent quitter le pays, je vous conseille de passer par la voie normale. Je vous conseille l'entreprise PTS, Patrick Travel Service. Patrick Travel Service est cette entreprise spécialisée dans la vente des billets d'avion. Comme vous voyez sur l'affiche là, sont les différents pays. Donc, si vous souhaitez aller visiter ou aller travailler ou aller étudier dans l'un des pays là, contactez Patrick Travel Service. PTS vous accompagne dans la constitution de vos dossiers, l'accompagnement de vos visas jusqu'à l'accueil dans votre pays où vous souhaitez aller. L'avantage, c'est qu'il t'accompagne dans ta démarche de visa. Tu obtiens ton visa et tu payes tout une fois quand tu es dans ton pays d'accueil. Et n'oubliez surtout pas qu'ils ont un représentant dans chacun de ces pays. Et ça ne concerne pas que les riches, hein, même les moyens et les pauvres. Avec ou sans niveau scolaire, contactez PTS. Et vous permet également de chercher le logement ainsi que l'emploi. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations ou plus de détails. Ou alors, tapez juste leur site là pour avoir plus d'informations. Ok. Des belles femmes, hein. Ce sont que des belles femmes. Regardez nos influenceuses là. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, que ce soit partout là. Ce sont que des belles femmes. Est-ce que vous avez une lettre de femme être influenceuse et avoir beaucoup d'argent aussi comme ça? Ceci a machine nickel. Après, elle fait le post, elle dit que, oh non, c'était un problème de crise. Elle délie, hein? Mais elle marche bien dans la rue. Elle prend même bien la moto. Elle parle bien aux gens. Elle est tranquille. Après quelques heures, elle fait le post pour demander les gestions. On a vu une autre grande super influenceuse venir l'encourager, venir mettre en commentaire courage. Comment les situations quand devons passer déshabillés et masser l'autre dot avec l'huile sur TikTok? Comment? Les amis, dites-moi aussi, vous-même, dites-moi la vérité.
nos soeurs sont en danger. Elle offre 1 million. Et le pire, c'est qu'elle est... elle n'offre pas sa maman. Elle dit que les autres influenceurs doivent suivre l'exemple. Maman, chacun sait comment chercher son argent, non? Chacun sait où il prend son argent, non? Nous, on va donner que le niveau que nous, on a. On va... Ce n'est pas la concurrence, ce n'est pas la course. Mais une Range Rover, 85 millions. On te donne 30 millions, tu es rectificatif. Et tu dis que tu ne vends pas le rêve. Tu ne pouvais pas aussi rester tranquille si tu ne vendais pas le rêve. C'est la machine inquiète. Elle vient nous dire, comme nous sommes cité auto, je n'ai pas vu, j'ai fouillé tout Facebook pour voir une image où elle était hospitalisée. Après les marches là où on la soignait, on prenait. En tout cas, je n'ai pas dit qu'elle ment. Hein. C'est juste que j'analyse aussi, ça va le faire. Non, c'est la magie, mon frère. Nos soeurs. Aïe! Non, à la lucière. Nous, on observe seulement. Nous, on observe seulement. Mais mes jeunes petites soeurs, mes jeunes petites soeurs, s'il vous plaît, soyez prudents. Soyez prudents, s'il vous plaît. Ne tombez pas dans les trucs comme ça. Les gens qui se déshabillent, qui marchent partout, niquette. Hmm? Tu présentes ton tort à tout le monde entier. Après, on va te voir. C'est même une nouvelle influenceuse en cours de téléchargement. Elle a sa page en train de monter. Et vous voyez que les autres super influenceuses viennent à mettre les commentaires que maman a beaucoup de courage, ça va aller. Mais c'est pour penser, c'est pour dire quoi? Viens, viens, bienvenue. On te montre juste la direction. Non, mais les réseaux sociaux, c'est la magie, les gars. C'est la magie. Maintenant, tu accouches même, quand tu fais même, quand tu accouches même une fille, ton cœur bat, mon frère. À l'époque, on accouchait même une fille, on disait que ouh, c'était la richesse. Que non, ça c'est la dot. Je vais prendre la dot, machin, truc. Tu les entends, ça va maintenant. Les femmes indépendantes, elles n'ont plus besoin des hommes. Elles n'ont plus besoin du mariage. Les femmes indépendantes. Elles roulent avec les cancans voitures. Mec, mon frère. En même temps, tu regardes seulement les boys. Que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans n'importe quelle activité que tu vois les influenceuses avec les grands acteurs aussi. Les gars bâchent les motos tous les jours. Hein. Mais les mêmes femmes qui ont commencé le cinéma avec eux là, ceux qui sont venus, celles qui sont venus derrière, on dirait les super restaurants, les gars. À un moment donné, tu demandes que l'école même sert même à quoi, même mon frère, l'école sert même à quoi de nos jours aussi. Mais mine de rien, mes petites. Vous qui me suivez là, comme vous êtes sur les bancs, vous êtes en train d'étudier là, concentrez-vous pour vos études, s'il vous plaît. L'école est très importante, l'école est très bien. Aujourd'hui, nous, on regarde, on disait, à l'époque, on était à l'école, on disait que c'est Dieu qui donne l'anglais. C'est aujourd'hui là qu'on comprend qu'il fallait s'appliquer vraiment et bien étudier, bien comprendre certaines leçons. On disait que c'est Dieu qui donne l'anglais. Quand on était les techniciens, on disait que c'est Dieu qui donne le français. Aujourd'hui là, ça nous rattrape. Concentrez-vous pour vos études. Ne courez pas. Le gars là qui vient vous vendre les rêves là. Que oh, il faut marcher nuit, il faut faire ceci, machin, truc, tout ça pour la vie facile. N'acceptez pas ça. On ne vous trompe pas. Appliquez-vous pour vos études. Après, vous cherchez l'emploi. Comprenez, non? Et toi, ma soeur qui travaille là, si tu as ton petit salaire de 100 000, 150 000, même si c'est 50 000, contente-toi de ça. Pardon. Ne regarde pas, ne cherche pas à côté en disant que voilà ma copine qu'on était, machin qu'on faisait, elle a déjà, ça va pas t'aider. Sinon, demain, tu vas te retrouver en train de marcher aussi, sans que le son. Excusez-moi, les gars. Partagez-moi un peu la vidéo aussi. Entre temps, si tu es nouveau sur la page ici, abonne-toi. Hein? C'est la page d'actualité, c'est la page du divertissement, les gars. On est ensemble, c'était le général Franck. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.